Je pense ce qui est vraiment intéressant dans la donnée, c'est qu'elle est globale, elle est commune et il faut la travailler avec toutes les compétences qui sont dans toute l'entreprise. Déjà, moi, ça m'a permis de nous confronter en fait sur un monde extérieur au groupe Rocher. Ça permet de faire des rencontres et de toujours se remettre en question par rapport à ce qu'on va découvrir ailleurs, de se positionner aussi, de savoir si on a fait des bons choix ou pas, et d'essayer sans cesse de se réinventer à travers les autres et avec les autres dans le cadre d'un partage. C'est rendre la donnée accessible à tous et surtout une compréhension en fait de l'ensemble des données de l'entreprise, tout en ayant conscience que cette donnée, on la produit, on la manipule et que ça a des conséquences. La donnée est un asset de l'entreprise, elle nous permet de développer notre relation avec nos clientes, mais il faut qu'on en ait la gouvernance et qu'on l'utilise à bon escient. Pour convaincre une direction, il faut aborder plusieurs thématiques, il faut déjà expliciter pourquoi on le fait, être convaincu, démontrer qu'il y aura un gain financier, mais aussi qui est direct et indirect, et démontrer la valeur humaine qui tient énormément au groupe Rocher derrière tout ce qu'on met en œuvre. L'IT est un métier et donc on a tous nos spécificités, donc parfois on a besoin de définir par nous-mêmes des trajectoires, par nous-mêmes des ambitions, mais la plupart du temps, et parce qu'on fonctionne pour un groupe tous, on doit s'aligner et travailler ensemble de pair pour avancer dans la même direction. J'ai rencontré les mentors, on a rencontré d'autres entreprises, mais plus que les entreprises, moi, c'est la relation qu'on a eue et la rencontre qu'on a eue avec l'entreprise Zippon, où on a eu un très bon échange, moi, sur la partie architecture, donc c'était vraiment extrêmement intéressant. On a pu échanger nos points de vue et découvrir, moi, des axes d'amélioration qu'on pourra avoir sur la plateforme data, donc qui vont servir l'avenir.